Abdelassaef, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de l'Enseignement au Maroc, président du CERS, expert en sciences politiques et en droit international, senior fellow au sein de l'OCP Policy Center et membre du conseil d'administration d'Euromeda qui vient d'organiser au Parlement européen une conférence sur la question des ressources naturelles et le droit international. Et il a été question notamment de la problématique du cargo Cherry Blossom qui a été saisi en Afrique du Sud le 1er mai 2017. On va revenir sur cette affaire, mais au préalable, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous récusez le concept d'exploitation. Je ne l'utilise pas parce qu'il ne me semble pas approprié pour décrire les activités économiques qui ont cours dans nos provinces du Sud. Quand je me rends dans nos territoires du Sud, je ne vois pas ce rapport de type colonial, impérial, d'un centre qui prélève ses richesses de la périphérie et qui le transfère vers le centre, vers le nord. Je ne vois pas ce rapport-là. C'est plutôt en sens inverse. C'est de l'investissement qui provient du nord vers ces territoires-là. Aussi, le terme est utilisé par nos adversaires. Je crois même qu'ils ne l'ont même pas pensé. Pour eux, occupation... exploitation, ça va dans le même sens. Il n'y a pas d'occupation, il ne peut pas y avoir d'exploitation. C'est plutôt un fort investissement, un investissement peu commun dans ces territoires-là, comme l'attestent tous les chiffres disponibles. Pour schématiser la chose, pour un dirham prélevé en termes de ressources naturelles, nous investissons 7 dirhams. Le calcul a été fait dans les règles et il dit bien ce qu'il veut dire. Donc revenons un instant sur ce feuilleton de la cargaison du Cherry Blossom au cœur du conflit entre le Maroc et le Polisario, puisqu'une cargaison de phosphate de l'OCP a été saisie en Afrique du Sud, une cargaison de 50 000 tonnes d'une valeur de 7 millions de dollars. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants de cette affaire, mais également nous dire en quoi vous considérez qu'il s'agit là d'un acte de piraterie qui, au fond, termine bien pour le Maroc? Après la bataille des reconnaissances, le décompte de ceux qui reconnaissent et ceux qui retirent leur reconnaissance. Après la bataille des droits de l'homme, nos adversaires ont voulu batailler sur le front des ressources naturelles, en utilisant le terme d'exploitation, ce qui n'est pas vrai. Et dans ce cadre, comme une société phosphate Boukra, qui est à quelques kilomètres de Laayoune, comme cette société a été fondée, qu'elle produit du phosphate qui est exporté, ils ont voulu en faire un cheval de bataille sur ce terrain-là. Donc il y a eu le bateau saisi au Panama, mais très vite relâché, après la requête de nos adversaires auprès de la Cour de Panama. Ça n'a pas réussi. Ils n'ont prouvé ni que la Cour pouvait intervenir sur le cas, ni leur rapport à cette cargaison. Ils n'ont pas pu apporter la preuve qu'ils sont les propriétaires de... De plus, pratiquement, la Cour a considéré ne pouvaient pas représenter les populations des territoires concernés. Après, alors que ce précédent n'était pas encore achevé, on apprenait qu'un bateau a été saisi aussi en Afrique du Sud, à Port Elizabeth, le Cherry Blossom. Et un bateau qui, comme vous venez de le dire, transportait
une cargaison, une importante cargaison à forte valeur marchande, avec un jugement expéditif, fait dans des conditions un peu étranges, week-end, jours fériés, juge de permanence, etc. La Cour a pensé qu'elle avait une compétence universelle, ce qui est incompatible avec le droit international, en contradiction avec le droit international. Et donc, elle a voulu rendre un jugement sur le fond, ce qui a été fait en juillet. Donc le bateau a été saisi en mai, en juillet, le jugement sur le fond, avec des considérants, tout ce qu'il y a de plus étrange, basé sur des approximations et calqué sur le discours des adversaires. Donc vraiment, sans l'objectivité, sans la sérénité, sans la distance qui sont les caractéristiques du pouvoir judiciaire. Toutes ces caractéristiques-là se sont évaporées dans le cas d'espèce. Mais la bataille, en fait, après le jugement, n'avait fait que commencer. Ils ont essayé de vendre, sur la base de cette décision, ils ont essayé de vendre la cargaison au profit de nos adversaires. Ça a été impossible. La communauté internationale, les industriels, les commerçants, les transporteurs, les affréteurs, tout ce monde-là a refusé d'acheter la cargaison. Ils ont eu beaucoup de mal, ils se sont démenés en Chine, au Canada, au Brésil, même le Venezuela, même l'Afrique du Sud, même les sociétés sud-africaines, personne n'a osé acheter cette marchandise, justement parce que l'OCP avait fait savoir son intention de poursuivre en justice toute partie qui voudrait l'acheter. Elle est considérée comme du vol, c'est considéré comme du vol, comme de la piraterie, et ceux qui achèteraient sont qualifiés dès le départ de receleurs. Et donc personne n'a osé, personne ne s'est aventuré, même l'Algérie n'a pas acheté, ce qui est assez étrange. Donc c'est resté bloqué. Ils n'ont pas pu vendre pendant 8 mois, et puis il y avait quand même un bateau qui était paralysé dans le port d'Elisabeth. Ce bateau, son armateur a fait recours, il a déposé une demande en référé, urgente, pas de réponse, puis soudain, la Cour décide de lui donner le droit de vendre, mais pas au profit de nos adversaires qui sont à l'origine de cette histoire. Ce qui fait qu'au bout du compte, pour résumer, nos adversaires voulaient de l'argent, ils n'ont pas eu d'argent. Nos adversaires voulaient avoir un précédent juridique avec lequel ils pourraient encore répéter les mêmes opérations. C'est nous qui avons maintenant un précédent. C'est nous qui avons une jurisprudence en notre faveur. Ils voulaient de la légitimité. Et ils ont été incapables de vendre cette marchandise. Les membres de la communauté internationale, ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous aiment évidemment, qui nous aiment, qui respectent notre cause, et il n'y a pas de problème, mais ceux qui étaient plutôt de leur côté, ont eu peur de nous. Donc il y a entre ces deux attitudes, ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas ont eu peur de nous. Pas de légitimité. Pourtant, la période a été longue et ils voulaient médiatiser. C'était une forte opération de médiatisation. Ils espéraient que le Maroc allait entrer dans cette affaire, dans la procédure. Ils n'ont pas réussi, il n'y a pas eu de médiatisation. Ils étaient, j'en ai parlé hier, ils étaient comme sonnés par
par la décision finale, par le dénouement de l'affaire et par la libération du bateau avec sa cargaison. Alors, Monsieur Saef, vous êtes également membre du conseil d'administration de la fondation Euromeda. Vous considérez le Maroc comme la clé de voûte de la construction euro-méditerranéenne. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu quels sont, selon vous, les éléments qui vous font dire cela? C'est la clé de voûte ou une des clés de voûte essentielles de l'espace euro-méditerranéen, parce que comme la Turquie, par exemple, est du côté de la Méditerranée orientale et est un pivot essentiel, le Maroc est un pivot central, côté occidental. La proximité de l'Europe, nous sommes les plus proches. Nous sommes... l'image de Hassan II est toujours d'actualité. L'arbre, les branches en Europe, les racines en Afrique... Elle est toujours d'actualité, elle est très forte, elle était très forte cette image. Et surtout, les dynamiques que l'on met dans cette relation entre Maroc, Europe, Euro-Méditerranée, pardon. Les dynamiques humaines, les dynamiques économiques, les dynamiques politiques maintenant, le développement politique, les espérances de démocratisation sont ici les plus fortes, hein, avec leurs tensions, les avancées, les difficultés, etc. Mais ça reste quand même un foyer central de ces dynamiques-là. Et on avait cultivé la notion de la Méditerranée, l'euro-Méditerranée atlantique. Parce que là aussi, ce rapport à l'Atlantique qui nous distingue, hein, nous, l'Espagne et le Portugal. Et donc ça nous donne, ça donne à cette Méditerranée occidentale, ça lui donne une profondeur stratégique qu'elle recèle toujours depuis qu'on en parle, depuis maintenant 3-4 décennies. Beaucoup de projets se sont tissés autour de cet espace et de ce pôle où est impliqué le Maroc, 5+5. Maintenant, les relations entre l'Union européenne et l'Afrique, toutes les ouvertures de l'OTAN, etc. C'est dans ce sens que la notion de pivot est intéressante pour décrypter ce côté-ci de la Méditerranée. Abdellah Saef, merci. De rien, c'était un plaisir. C'est donc ici que se termine notre émission et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine émission MAE News. Pour rester informé...